Hello tout le monde, c'est Savo et on se retrouve pour le tuto d'une Formao. Alors, quelques petites choses utiles à savoir pour ce tuto. Hop. Alors, par rapport au portail. Donc, les tailles maximum pour un portail du Nether, donc, c'est du 23 par 23. Donc, le portail lui-même fait 21 par 21. L'opsie, elle fait 23 par 23. Ça, c'est la taille maximum. Hop, comme vous pouvez le voir ici, je peux l'allumer. Hop, voilà. Hop, si on prend, là t'es juste au-dessus, donc du 24-24, vous voyez que ça s'allume pas. Hop, on va passer maintenant, donc, une chose essentielle à savoir aussi, pour justement que les mobs soient tués. Donc si on prend par exemple une chute, donc pour un pigman de 22 blocs de hauteur, il va pas mourir, donc on va le voir maintenant. Voilà, il est pas mort. Par contre, il faut 23 blocs au minimum de hauteur, donc je parle de la hauteur du vers là jusqu'à là. Donc là, ici, je crois qu'il y a 25 et le mob spawn justement au 23e bloc. Là, si je prends ici, hop, 23 blocs. Voilà, donc c'est exactement pareil qu'un joueur, parce qu'un mob a 20 points de vie. Enfin, un pigman, pardon. Autre chose à savoir, donc ça va être pour ramener le pigman. Donc un courant d'eau, c'est 8 blocs de long. Voilà, donc nous on va construire notre petite tour à mob avec ceci. Donc on va déjà commencer par faire là où les mobs vont concrètement arriver. Hop. Donc tout simplement la croix qui va permettre. Pas un trapède, HS, qui va permettre au final au mob de tomber. Hop. Faudra que je repositionne, il peut même positionner. Voilà. Hop, le hooper positionné vers le chest. Par contre, le chest, on va le mettre comme ça, je fais des bêtises. Voilà. Comme ça, je peux l'ouvrir. On vérifie que ça passe dedans. C'est bon. Maintenant, histoire d'être sûr, donc faut au minimum le monter de 23 blocs. Donc 23 blocs à partir des pieds du mob, ça c'est important. Jusqu'au moment où il touche le sol. Donc ce qu'on va faire pour histoire d'être sûr, on va le monter de 30 blocs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, que je fasse pas de bêtises maintenant, parce qu'il va falloir que je fasse donne la taille maximum. Alors voilà, j'ai recréé un petit balisage afin que le tutoriel soit plus clair. Donc, il y avait déjà tout à l'heure. Donc la croix est montée, donc vous avez commencé par 30 blocs. Donc normal. Donc à partir du moment où on fait ces 30 blocs, on va créer notre premier balisage. Donc on va mettre 7 blocs ici de laine verte. Pareil de l'autre côté. On en pose deux de violet, comme ceci. Et maintenant, hop, ici, on met des blocs d'obsidienne. Donc les blocs d'obsidienne, c'est très important, ça. Qu'on les mette ici. Enfin, c'est très important dans le balisage. Après, c'est pour vous aider à créer la tour et pour vous l'expliquer. Après, si vous voulez faire sans, vous le faites sans. Mais c'est plus simple comme ça et limite de le détruire après. Hop, même si vous mettez un autre bloc que l'opsi, moi, c'est l'opsi, c'est juste une balise, hein, c'est pour marquer. Donc, de l'autre côté, on fait la même chose, mais cette fois-ci avec de la laine jaune et de la laine bleue. Donc, 7 jaunes, 2 bleus, opsi. Hop, et de ce côté-là, pareil. Donc ça, c'est vraiment juste pour... Donc, 7 jaunes, 2 bleus. Ensuite, cette balise-là. Donc, maintenant, ce qu'on va faire... Donc, c'est très important que ce soit vraiment les 7 jaunes dans son sens, le plein dans son sens. Si vous le faites dans l'autre sens, ça peut fonctionner. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. Donc déjà, là, on va créer le premier acheminement d'eau en gros qui va nous permettre de ramener nos mobs. Donc du côté vert, hop, on va commencer à faire comme ça. Donc on va commencer par faire notre, hop, on va monter le balisage, faire notre tube d'acheminement en gros de mobs. Comme ceci. Hop, on va le monter au total d'une hauteur de 3.
Voilà. 3, je crois. Oui, c'est trop. 2 fois, on verra bien. Hop. Donc. Hop. On fait 2 murs comme ceci. Toujours, donc, le balisage. Je vais vous montrer ça souvent. Le balisage, vous n'êtes pas obligé de le faire, je le répète. Mais c'est vraiment plus pratique pour la construction. Moi, c'est pour vraiment vous dire de vous expliquer que ça m'est utile. Voilà. Donc, maintenant, moi, les balises vertes, je les remplace tout simplement par mon bloc qui me permet de construire. Et ensuite, les balises violettes, je les recouvre tout simplement. Donc, comme hop, je vous remontre. Je remplace les balises vertes et je recouvre les balises violettes. Ensuite, si j'ai bien fait mon boulot, techniquement, je pose ma source d'eau qui vient s'écouler et s'arrêter pile poil devant le panneau. La même chose par ici. Et voilà, c'est bon. Hop. Laser, clear. Hop, et maintenant je vais prendre des panneaux normaux par contre, ou un truc clair, comme ça on verra bien quand j'écris. Hop, et maintenant, donc sur la troisième couche, on met tout simplement des panneaux. Comme ça, tout du long. C'est parfait. Hop, donc moi je vais remonter encore une fois les balises. Donc ces balises là pendant la construction, il ne faut surtout pas les dépasser. Hop, sauf au moment où je vous le dirai. Mais là pour la construction, on va dire du socle, la première partie du socle, c'est absolument inutile de les dépasser. Si vous les dépassez, de toute façon la tour ne fonctionnera pas. Hop, alors chose importante aussi, à construire avec des blocs complets, c'est-à-dire faut pas construire ça avec des dalles, même si deux dalles sont mises comme ça, hop, je vais trouver des dalles. Même si des dalles sont posées comme ceci, elles sont pas considérées comme un bloc, c'est toujours considéré en fait comme une dalle, et tout ce qui est mob, tout ça, c'est chiant pour spawn dessus, donc vaut mieux éviter de construire avec ça, ça évite les soucis inattendus et inexpliqués. Alors hop, on est reparti. Donc maintenant, à partir, donc là si vous voyez, j'ai posé mes panneaux ici, donc à la même hauteur, hop, je reprends, et là je vais recouvrir la zone jaune comme ceci. Donc la zone jaune qui s'étend donc jusque là, hop, comme ça, voilà. Encore ici la zone jaune. Hop, maintenant donc tout ça vous le remplissez. Hop, moi je suis commande qui va me permettre de remplir ça plus vite. Un PC. Red Concrete, ok. Minecraft. Voilà. Hop, on va faire pareil de l'autre côté après. Pour l'instant, du coup, la zone bleue maintenant. Hop. On l'a fait comme ceci, donc un étage au-dessus de la zone qu'on vient de créer. Voilà, et là, on a une partie de notre plateau de fait. Donc hop, je fais pareil de l'autre côté. Je vous mets des accélérés et des petites coupures par moment. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc hop, on recouvre la zone jaune à cette hauteur-là. Hop, pardon, à cette hauteur-là. Et la zone bleue, ça sera une hauteur au-dessus. Donc hop, je fais ça tout de suite. Voilà, alors là mon plateau est construit symétriquement. Hop, symétriquement, ça se dit, oui je crois, bon c'est pas grave. Hop, il est construit pareil des deux côtés. Toujours, donc je remonte encore, la zone jaune jusque là, la zone bleue sur la terre. Alors aussi au montage, normalement je vous fais quelques coupures, mais surtout beaucoup d'accéléré. Pour une seule chose, c'est que même si vous... même si vous avez compris, comme ça vous voyez comment je fais au cas où, hop, ça permet d'éviter des erreurs aussi. Pour vous. Donc là, ça va être le seul moment où on va par contre poser un bloc au même niveau que l'obsidienne. Hop, enfin, quand le plateau je parle. Donc, ce qu'on va faire jusqu'ici. Hop, donc toujours un bloc au-dessus. Ça va nous permettre en gros de mettre l'eau.
Voilà, comme ça. Là, normalement, si j'ai bien fait mon boulot, ça devrait arriver jusque là. Parfait. Donc là, sur toute la ligne, on va en poser comme ça. Voilà. Donc là, le mob va être poussé plus tard ici. Hop, toujours on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc le plateau ici est terminé. Donc là, c'est parfait. Hop, donc mes balises qui sont ici, je vais les retirer. Pouf, comme ça, celle du milieu. Et maintenant, on va passer donc à la création des portails qui vont nous permettre simplement de faire spawner les mobs. Donc techniquement, si j'ai bien fait mon boulot, là, normalement, je dois compter 21 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 blocs. Et donc 23 blocs là avec ces deux tours là. 21 blocs au milieu. Ce qui nous permet de faire notre portail. C'est magnifique. C'est parfaitement ça. Hop. Alors, à savoir, il faut que là, le par rapport à la zone ici, qui est la zone, que je dis pas de bêtises, bleue. Par rapport à la zone bleue qui est là. Faut que les blocs soient à 1 au-dessus au minimum. Parce que sinon, on va être embêté pour la suite de la construction. Hop, ça peut être encore un ou deux au-dessus, c'est pas grave ça, mais au minimum à un au-dessus. Hop, et là donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, donc 23 blocs. Et quand je posais ici, de là à là, on va y avoir 21, et de là jusqu'à l'autre bloc ici, il y a 23 toujours. Hop. Donc là, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. 23, normalement. Et là, hop, si je relis d'un côté à l'autre, c'est censé taper les deux à la même hauteur. Sinon, c'est que je suis mauvais. Donc, pour bien vous expliquer, donc là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec les 21 blocs. Donc, en gros, un portail, ça peut faire 21 blocs au minimum. Donc, de là à là, par exemple... le portail qui sera donc ici, il fait 21 blocs, et donc ce qui est représenté par la zone jaune là, ça fera 21 sur 21, et le portail autour là, en opsi, ça fait 23 sur 23, ce qui est normal vu qu'il englobe le portail. Donc je vais faire ça sur tous les côtés, et on se retrouve tout de suite. Voilà, alors hop, là, notre tour commence déjà à ressembler à quelque chose. Donc là, j'ai créé les portails de côté, on va pas encore les allumer. Si on les allume maintenant, on va être embêté avec le spawn des pigmen déjà. Nous, ce qu'on va utiliser, ça va être donc des trappes. Donc je vais en prendre des classiques, après on peut en prendre n'importe laquelle, hein. C'est pas un souci. Et les trappes, on va tout simplement les poser sur le bloc d'opsi. Fait important, faut les poser en position haute et pas en position basse comme ça, sinon ça va être chiant. Pour la suite, en fait, ces trappes-là, elles vont servir tout simplement à ce que le pigman spawn dessus et tombe, parce que le pigman considère ça comme un bloc, en fait. Lui, il considère comme si la trappe était toujours comme ça. Donc, même quand elle est comme ça, pouf, il va tomber, il va se péter la gueule, il va être acheminé de ça, il va crever dans de graves souffrances, et nous, on aura notre temps, on sera heureux. Mais, ça va être important, du coup, de la mettre en position haute, ici. Hop, c'est bon, donc c'est fait. Alors maintenant, on va passer tout simplement à une autre étape importante qui est pas négligée. C'est de mettre ici, sur tous les contours donc de portail, donc pas sur le bloc de portail lui-même, hein, sur le contour, donc à l'extérieur, hop, de la glace. Ça va simplement permettre à ce que le pigmen sorte de ce côté là et non ici dans le vide comme une andouille. C'est quand même dommage. Hop, et on fait ça de chaque des quatre côtés là. Au-dessus on peut le faire aussi, c'est pas obligatoire. Je te l'aurais conseillé mais pas obligatoire. Hop, du coup je fais ça et je vous retrouve tout de suite.
Voilà, alors hop, j'ai complètement enfermé donc notre tour à mob. Enfin notre tour à mob, pardon, notre farm à or. Je suis encore resté sur le tuto de la tour à mob, okay, je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, il est dans la description. Hop. Donc. Voilà, ça c'est fait. Et à partir de là, on va pouvoir allumer les portails et notre tour sera fini, on va dire, au niveau fonctionnel. Après, niveau esthétique, on peut toujours essayer de travailler un petit peu ça. Mais niveau fonctionnel, ça, c'est fait, c'est bon. Hop. Donc après, bien évidemment, le choix des matériaux, mis à part les blocs d'opsy ici qui sont obligatoires pour créer le portail, vous pouvez les faire complètement comme vous voulez. Moi, je vous ai mis les petites balises, tout ça, pour que vous puissiez... tout simplement mieux comprendre. Donc c'est pareil, une chose, pensez à vérifier votre mode de difficulté. Si jamais vous avez un souci ou quoi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vous aiderai, ou d'autres gentilles personnes, je pense, vous donneront un petit coup de main en commentaire. Hop, ça commence déjà à spawner un petit peu dans tous les sens. C'est pareil, donc j'avais déjà essayé d'optimiser en mettant une cage supplémentaire à l'intérieur. Sauf que quand on met une cage supplémentaire, on va dire, de portail à l'intérieur, ça fait que les portails extérieurs spawnent beaucoup moins. À savoir que pour fonctionner, celle-ci, au démarrage, elle a besoin d'un peu de temps. Hop, c'est mieux aussi d'être sur le toit, de la farm à or, ou de la tour à or, je ne sais pas trop, pour dire qu'elle fonctionne. Hop, enfin, et pour même voir les spawns plutôt que de rester en bas. C'est pour ça, hop, je vous conseille au final de mettre une échelle ou quoi à partir de ce pilier-là pour dire de... pour dire justement de pouvoir monter et avoir un accès plus facile, vu que vous ferez sûrement sans survie, je pense. Hop, on va attendre que les petits pigmen commencent à tomber. Ah bah voilà, justement, il fallait que je le demande. Hop, et voilà. Là, ça, il va se péter la gueule gentiment. Voilà. Il va aller crever dans notre souffrance en bas. Et nous, on a juste à aller récupérer notre loot, donc en bas. Hop, je vais sortir par ici. Et normalement, techniquement, voilà, golden nuggets. Donc ça, c'est moi qui les ai fait tomber tout à l'heure, hein. Ça c'est rien. Hop, une golden nugget, c'est parfait. Oulala, j'ai oublié une chose très importante. Hop. Quelque chose qu'il faut faire quand même. Donc là, on repart au niveau du bas de la tour. Juste en dessous les vitres, on va tout simplement hop, refaire une chose qui va nous permettre de faire tomber les blocs, les mobs plus rapidement. Donc, pour ce faire, moi, je mets tout simplement un bloc de redstone sur chaque minier. Vous allez comprendre à quoi ça sert. Enfin, sur chaque balise en optique que j'avais faite. Hop. On va reprendre du coup l'obsidienne, on va pas s'embêter. Voilà, on fait ça sur tout le tour de la tour. Voilà, maintenant on va prendre tout simplement des rails. Donc moi je prends des rails booster, donc que je mets ici tout le long. D'où l'importance des blocs de redstone. Hop, un rail normal ici pour faire la jonction. Voilà, comme ceci. En gros, poser un wagon avec un rail, ça va tout simplement nous aider à faire peur aux pigmen. Parce qu'en fait, les pigmen, et même les mobs tout court, n'aiment pas en gros le bruit des wagons. C'est merci Minecraft qui a fait ça. Purée, on les trouve les wagons. Ici, ça s'appelle comment? Minecart, tout simplement. Donc, on va mettre notre minecart ici. Ce que je fais, moi, pour dire que le minecart tourne continuellement, je mets un mob dedans. Donc, pour mettre un mob dedans, c'est très simple. En survie, vous prenez des œufs. Vous bourrinez jusqu'au temps qu'il y ait une poule qui sorte.
Si jamais bien, voilà. Et vous lancez le wagon. Hop, il va happer la petite poupoule. Et maintenant, il va tourner en continu. En gros, le fait que ça tourne en continu comme ça va tout simplement faire peur aux pigmen qui vont tomber plus facilement vers l'intérieur de la tour. Et normalement, regardez ce qu'on a déjà. Et normalement, en gros, ça va juste améliorer légèrement le rendement. Techniquement, hop, on va regarder un petit peu. Là, regardez, j'ai déjà 3 nuggets, ça fait même pas 5 minutes que j'ai fini la tour. Hop. Donc à savoir, c'est pareil, le rendement de cette tour, hein, c'est pas aussi rapide qu'une tour à mob où ça tombe en continu, parce que là, faut le temps que les pigments spawnent, tout ça. Il y a un certain temps par rapport avec tout ça, mais ça... Hop, elle est quand même rentable par rapport à sa taille, celle-ci, après, libre à vous d'en faire plusieurs. Hop. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus esthétique. Voilà, alors on est sur quelque chose de légèrement plus esthétique. Enfin, plus propre que ce que j'avais fait tout à l'heure. Hop. Alors, du coup, ça sera tout au final pour ce tutoriel. Donc là, je vais juste rajouter une petite échelle ici, histoire de pouvoir monter et pouvoir voir ce qui se passe au-dessus. Ça peut vous être utile en survie. Hop. Donc au final, c'est une farm pas très coûteuse. Donc pas besoin qu'elle soit exposée en plein milieu du jour ou quoi. Elle peut être complètement planquée sous terre si vous avez besoin. Moi je fais juste un petit peu comme ça, assez esthétique, pour que ça fasse plus propre au final aussi pour ma miniature de vidéo. Voilà, hop, là depuis que j'ai construit, on va aller regarder un petit peu ce qui a été mis dedans. Donc ouais, vous voyez comme quoi ça tombe bien, ça fait pas si longtemps que ça que je construis, ça doit faire un tout petit peu d'un quart d'heure. Ça tombe quand même assez bien. Hop, c'est pas aussi efficace avec une tour à mob, hein, mais c'est quand même ultra efficace si vous avez complètement plusieurs heures à côté de ça. Concrètement, vous pouvez vous faire quand même vachement d'or. Hop, c'est assez rentable à ce niveau-là. Les pigmen sont assez nombreux quand même à spawner. Ah, regardez, il y en a encore un qui a spawné devant ma gueule. Hop, du coup, ça sera tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Toujours. Si ce tuto vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, ou bien commenter, à lâcher un petit like. Ça me fait toujours plaisir. Hop. Aussi, si vous trouvez des moyens d'optimiser la tour ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire parvenir en commentaire. Je ferai un tuto complémentaire du coup dans ce cas-là. Hop, et du coup, ce sera tout pour cette vidéo. C'était Sabo, bye.